Ma TV était présente au gala de reconnaissance annuel de la gouvernance au féminin. Ce soir, on célèbre 48 organisations qui ont obtenu la certification parité 2019 de la gouvernance au féminin. Bien que nous soyons en mode célébration et reconnaissance, de quand même nous rappeler que nous devons être vigilants et vigilantes. Parce que les doubles standards, ils existent toujours. Et ça, pour moi, on doit se détacher de cette idée et de faire en sorte que les femmes, on émerge comme des leaders uniques, différentes, avec différents bagages, mais qui mènent la barque et qui ouvrent le chemin pour les autres. En permettant à des femmes de gravir les échelons et en soutenant le développement de leur carrière dans les entreprises, vous contribuez à un Québec plus égalitaire. Mais dans les autres pays, c'est vraiment choquant d'avoir une femme ministre des Affaires étrangères. Mais quand il y a un grand groupe, ce n'est pas si choquant. Ça devient plus normal. Et je pense que ce doit être notre but. Le travail que nous faisons avec les entreprises via la certification parité, c'est effectivement aussi de permettre à ces organisations de donner tout ce que ces femmes ont besoin pour pouvoir progresser, de vraiment réduire cet écart qui existe encore en 2019 entre les femmes et les hommes en milieu de travail. Pour en apprendre davantage, visitez lagouvernanceauféminin.org.